Ok les frères, j'ai très peu de wifi, il va falloir être actif. Je ne suis pas au parking de McDo le légendaire. Je suis à un nouveau lieu sain, le parking de la maison d'hôte. Je vous invite à aller voir le dernier live les gars si vous ne l'avez pas vu. La rediffusion qui est publiée sur la chaîne. Cette vidéo risque de se publier assez tard, mais l'élite sera là. Je serai là pour vous accueillir en commentaire les gars. Montrez-moi votre présence. Alors les gars, on va activer pour cette vidéo. Alors je viens de faire la mise à jour et donc oui, il y a un nouveau Kakashi. On pouvait s'y attendre vu que dernièrement on a eu le nouveau Obito Rampage. Ça fait plaisir que ce soit sorti le Kakashi et je trouve qu'il a un flow. On parlera du nouveau équipe du coup, du nouveau personnage et de Sasuke Mangekyou Sharingan Shadow. Ça fait plaisir lui aussi qu'il lui ait un rekit. On en parlera dans la prochaine vidéo les gars. C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui on a quand même un bon petit programme. On va invoquer sur ce portail les gars. Aujourd'hui c'est une invocation sur NXB, ça fait plaisir. Et quand tu fais une multi-invocation, c'est une 5 étoiles minimum garantie. Alors par contre ça dit une 5 étoiles garantie, mais c'est bâtard, il y a aussi les 5 étoiles de merde en fait. Donc je peux très bien me faire chier dessus par le jeu. On peut avoir voilà une limite break comme ça là par exemple qui m'intéresserait. Mais on peut avoir du Temari mon frère, qu'on s'en bat les couilles putain. Donc on va faire ça dans cette vidéo juste avant. Oui les gars, il n'y aura pas la dernière vidéo All Out Mission. Malgré tout je vous partage toujours tout ça. Donc je vais vous montrer comment ça s'est passé. Je devais la tourner hier juste avant le live que j'avais fait. Mais je n'avais plus de batterie, c'était mort. Et... après, vu que le All Out, il est passé, tu vois, là, c'est terminé, je me suis dit, vas-y, je vais pas sortir les vidéos. Alors, je vous avais fait le stage 4, lui, en plus, je l'avais fait en vidéo et tout, c'était bon. On avait fait un joli All Complete dessus, mais voilà, la vidéo, je la trouvais pas folle et tout, puis ça me gave de plus en plus le All Out Mission. Et le stage 5, derrière, on l'a fait, ça s'est très bien passé. Juste pour le SAM, c'était un petit peu plus tendu, il a fallu que j'utilise Naoto KLM. Ça ne passait pas avec l'attaque ultime niveau 2, donc je lui ai rajouté des tools où je lui ai mis des trucs spécifiques. Je vais vous montrer ça quand même. Voilà, je lui avais rajouté des... ah ben non, je l'ai enlevé. Mais en gros je lui avais rajouté des tools spécifiques où je lui avais augmenté exprès les choses qui permettent d'améliorer le power de l'attaque ultime. Et avec un petit peu d'acharnement, c'est passé. Donc ensuite on est passé au stage 6. La forteresse, c'était une formalité, il n'y a pas de souci. Mais évidemment ça c'était une certitude vu les personnages boostés. Je ne pouvais pas faire le SAM. Voilà, donc le seul niveau qui a pu m'empêcher de terminer complètement le All Out Mission, c'est le SAM du stage 6. Voilà les gars, pour le All Out Mission, je me devais quand même de vous expliquer. Voilà, il n'y a pas eu les vidéos. En général, je vous partage toujours ce genre de choses. Ah putain, le wifi, il tient plus. Je vous partage toujours les résultats du All Out Mission. Donc voilà, je me devais quand même dans cette vidéo, vu qu'il n'y avait pas eu les gameplays, de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Prochaine vidéo, du coup, on parle d'eux, hein, les gars. Ce sera, je pense, dimanche. Franchement, j'ai hâte de voir un petit peu leur équipe. Je ne les ai pas vus encore. La seule petite chose, tiens, je vais aller voir, j'ai pas encore vérifié. C'est le Kakashi, la couleur. Ah, oh, il est de couleur bleue, frère, la pire. Ah ça c'est pas bon, tu vois je pensais même, je me suis dit peut-être si vraiment ils sont chauds, il y a peut-être moyen j'invoque. Mais déjà rien que le fait qu'il soit bleu, ça lui fait perdre directement des points. Allez on est parti les gars pour les invocations, c'est le but quand même de cette vidéo. Testons la luck avec la fameuse, la frais quotidienne et les frères. Malgré qu'on est dans la voiture, j'ai embarqué la flûte de la luck. Nous sommes là pour marabouter Namco malgré tout. La frais quotidienne mon frère, je te la donne en mille. Ah animation quand même, peut-être pas une 3 étoiles du coup. Oh historique. Historique mon gars, c'est pas une 3 étoiles, mais on s'en bat les couilles, je vais la vendre, je l'ai déjà level max. Cette 4 étoiles sur l'Afrique quotidienne est peut-être un signe, un bon présage. Vas-y, j'ai le petit ticket là aussi, on va le tester. Là mon gars, il y a de la 5 étoiles qui peut m'intéresser, il y a de la 6 étoiles. A chaque fois sur ce genre de petit ticket, il y a toujours des choses intéressantes. Même les 4 étoiles, là c'est les 4 étoiles du dernier kit, ça peut m'intéresser. Donc on peut vraiment avoir quelque chose d'intéressant. Allez Namco, tremblez. Je n'utilise pas encore l'atout. Oh là là, arc-en-ciel mon frère. Arc, oh là là. Oh non, putain, il n'y a pas l'animation qui me garantit une 10 étoiles, ça aurait été une dinguerie. Oh non, 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 frère, la toute première qui est sortie sur le jeu, on s'en bat les couilles, sans déconner. On aurait pu se taper une limit break. Eh oui, c'est ça, je m'en bats les couilles, ils me disent new, je pensais que je l'avais déjà eu. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, j'en ai une 6 étoiles en plus déjà, la dernière 6 étoiles, l'avant-dernière qui est sortie, la 6 étoiles. Bah les couilles complets, putain, ce faux espoir, on aurait pu se taper une putain de limit break. Eh oui, j'aurais pu me taper ça ou celle de Ashura, putain, casse les couilles. Namco m'envoie clairement un message, ils sont présents. Ils ne me laisseront pas dropper avec le wifi de la chambre d'hôte. Elle me regarde chelou, frère. Ah, elle veut me parler. Ah, c'est parce qu'elle a la clim en fait. Ah, et déjà je suis en sueur. Sur ma terrasse, j'entends... Ah merde. Bon, je vais arrêter dans très peu de temps. Non, du tout. Allez, Jean-Frère, il me casse les couilles devant la maison d'hôte. Ce lieu est envoûté par Namco, putain, mais qu'est-ce que je fais?
de faire des vidéos vocation ici, allez mon gars, on y croit, putain. Ah, de la 4 étoiles, il y avait quoi? Il y avait, là, je crois, il y avait pas grand-chose d'intéressant niveau 4 étoiles sur ce portail. Utakata, ce clochard. C'est bon, ça certifie qu'on est sur un lieu maudit par Namco. Je rappelle, le wifi, c'est Onoki, les gars, qui m'a donné un petit homme. Petit, crâne luisant. La meuf, elle me dit qu'elle entend la voiture faire... Oh, c'était la pire imitation que j'ai jamais vue de ma vie. On est parti sur le portail Limit Break, putain. Terminons ça avant qu'elle appelle les flics. Non, quand même pas. Là, mon gars, il y a de la Limit Break. Il y a plein de Limit Break qui m'intéressent. Et il y a de la 6 étoiles. On est parti. Envoyons un message fort à Namco. J'en appelle à la puissance des abonnés, les frères. Ce mi-maraboutage des abonnés. Mettez le pouce bleu de l'amour, les frères. Qu'on drop sur ça là, qu'on drop un jour sur ce jeu, putain. On tourne autour de l'œil gauche. L'œil droit, on caresse la chèque, on tourne, et on lâche sur cette première multi-invocation très importante devant la maison d'hôte. J'invoque la flûte de la Halec. Mon gars, animation. Animation, il y a la 5 étoiles directe. Je crois que c'est celle qui est garantie, mon gars. Qu'est-ce qu'on a de la limite break, s'il vous plaît? Ah oui, je la prends, celle-là. Très, très bon, mon gars. Il m'en manque très, très peu pour la mettre. Limite break max. C'est bien parti, mais je crois que c'était celle qui est garantie en général. Quand il y a quelque chose de garanti, c'est ce qui tombe directement. Celle-là, bat les couilles. En vrai, par contre, pour les débutants et tout, c'est un excellent portail. Hein. Il y a là les bonnes cartes du coup à récupérer. Diobito, je sais plus si je l'avais. Celle-là, c'est peut-être une nouvelle. Je ne sais pas si je l'avais. Mais de toute manière, si je l'avais, je ne l'ai pas level max. Donc ça me fait plaisir de la drop. C'est plutôt pas dégueulasse. Pour l'instant, je la prends pour augmenter le level. Celle-là aussi. Non, non, il y a des bonnes cartes. Hein. Ah, celle-là, par contre, bat les couilles complet. Donc il y a des bonnes cartes, mais il y a aussi de la merde hein, quand même. J'étais en train de me dire, il y a peut-être que des rekits. Non, non, il y a aussi des vieilles cartes. Je ne l'ai pas level max, je crois non plus, je suis pas sûr. Donc je prends, ça fait plaisir, 4 étoiles. Allez, une petite 6 étoiles, putain, ça serait historique là. Une 6 étoiles tombée du camion, putain, non. À part ce qui est garanti, on n'a pas eu des trucs fous. Je vois par contre qu'on gagne des petits trucs là, à quoi ça sert ensuite? Ah d'accord, ben oui, ben en free to play en fait ça sert à rien ces petits jetons qu'on gagne. Parce qu'on n'a pas assez de tickets, les tickets il faut certainement les acheter. Allez, une petite single qu'on va passer en speed. Oh, incroyable, oui mon gars. La single en speed. Le maraboutage de la flûte vaudou, mon gars, qui a marché à retardement. Je prends, mon gars, la limit break de Naruto Light, ça fait grave plaisir. C'est pas dégueulasse pour l'instant, c'est pas dégueulasse. On continue une single comme ça qu'on va passer en speed. Ah putain, le wifi il rame, les gars, il rame. Mais c'est un cauchemar, mes putains de conditions pour tourner les vidéos, je sens sûr, les gars, j'en peux plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, on bat les couilles, c'est de la merde. Le wifi de Onoki, tiens le coup, mon gars, tiens le coup. On skip. Oh là là, mais mon gars. Ah non, mais ok, c'est une 4 étoiles. Je me suis dit encore une limite break incroyable. 4 étoiles de Deidara que je prends, je n'avais pas. Deidara, c'est déjà sa limite break d'ailleurs pour l'information. Allez, on va se faire la multi. Ce qu'on veut quand même, ce qui serait incroyable, l'objectif ultime, c'est une 6 étoiles, putain. Ça, ça me régalerait, ça serait incroyable. On est reparti, les gars. La last multi. Désolé, les frères, pour l'animation qui ne, je pense, pas aussi bien que quand j'invoque chez moi. Je suis KO, les gars. J'ai eu une sale journée. Il fait chaud, j'en peux plus. Je suis dans la voiture avec le wifi de Onoki, c'est un cauchemar. Allez, la flûte de la Luck une nouvelle fois. On est bien mon gars, on est bien, animation encore. Putain, mais toujours des animations pour de la 5 étoiles. On aimerait bien une petite 6 étoiles au moins là. Oh, la limite break de Madaraido que je prends mon gars, je ne l'ai pas je crois. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. En termes de 5 étoiles et même en général de 4 étoiles, on est plutôt pas dégueulasse là. Celle-là, bat les couilles. Je prends, je n'ai pas level max. Bat les couilles. Allez, le jeu, je n'ai pas non plus level max. Celle-là, je la prends, ça y est, maintenant je l'ai level max avec ce doublon-là. Allez, c'est pour la première invocation. Sur le parking de la chambre d'hôte. Non, non, allez, le jeu. Namco, envoyez-moi une 6 étoiles, l'animation. Tu sens que ça pue la 4 étoiles, mon gars, mais on peut y croire. Avec la flûte, putain, 4 étoiles. Danzo, que je crois pas encore avoir level max, je suis pas sûr, donc je prends. Et ok, celle-là, par contre, ça fait plaisir. Limit break de Madaraido, ça fait plaisir. J'ai un bon set hein, de Madaraido, putain. Juste l'attaque ultime qui est l'ancienne, mais malgré tout, elle est level max, donc c'est vraiment pas mal. Écoute, on aurait pu avoir plus dégueulasse. Je suis habitué, en général, à avoir des trucs qui ne me servent à rien. Des trucs que j'ai déjà, des trucs que j'ai, des choses que j'ai level max. Celle-là aussi, je prends mon gars, c'est la limite break. Je prends, je prends. Même là, tu vois, c'est pas dégueulasse. La 4 étoiles limite break, ça fait plaisir.
Et la last, les gars, la last invocation. Ça là, allez, on la skippe pas, on regarde. Allez, les frères, matraquez les pouces bleus. Les pouces bleus de l'amour. Les pouces bleus de la luck. Pour la last, mon gars. On n'aura pas utilisé étoiles, c'est une 4 étoiles, je le sens, et oui. Et celle-là, encore, encore, frère, on l'a eu en doublon. Juste avant, on l'a eu. La limite break, 4 étoiles de Naruto KLM que je prends. Ben les frères, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En termes de taux de drop, en vrai, alors non, le taux de drop était éclaté au sol, hein. Mais par rapport aux choses garanties et tout que j'ai eu, ben c'était plutôt pas mal. C'est pas des choses que j'avais déjà level max, pas des choses éclatées au sol qui ne m'intéressent pas. Donc en vrai, je suis plutôt pas déçu. C'est plutôt pas trop mal pour l'instant, ça fait plaisir. On n'est pas sur des vidéos aussi historiques quand j'invoque avec les Shinobits, les frères, mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche, les frères, pour analyser le nouveau Kakashi et le nouveau Rekit, là, de Sasuke Mangekyou Sharingan Shadow. Ça fait plaisir. Hâte de voir un petit peu ce qu'ils valent, les deux. Et voilà, les frères, pouce bleu de l'amour, tout ça, tu connais. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, encore une vidéo très difficile pour moi. Je suis en sueur, je vais décéder. Mais kiffez bien la vie, les frérots. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.